thank mm -hmm. you Le son comme si j'étais un pro. Salut tous, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir, c'est 22h, la nuit tombe un peu partout, en tout cas sur, euh, sur l'Hexagone. Euh, et j'espère que par chez vous, le ciel est étoilé. Vous voyez chez moi le le store est baissé pour euh, pas trop de distractions derrière le, <laughs> derrière le store. De toute façon, là, je ne suis pas, je suis pas euh, chez moi euh, ce soir, donc je ne suis pas euh, en capacité d'avoir le même aménagement que d'habitude. Mais bon, ça va, je m'en suis sorti, je m'en suis sorti. Euh, donc salut tout le monde, salut Andrea, salut Zippo, salut Chouette Mama, salut Lichva, salut MTPSN, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire, Lodonieri, salut à toi, installez-vous confortablement, Donio qui est en lurque, Clem Lelu qui dit des trucs que j'arrive pas à décrypter mais c'est pas grave. Ah, il pleut là où tu es Chouette Mama, ok, pourquoi pas, c'est bien, c'est important aussi la pluie. Bien sûr, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie de l'univers. Bon, j'espère que vous allez bien. On s'installe. Effectivement, euh, Zippo a bien compris le truc. Hein. Pour euh, l'observation des étoiles, il faut être bien couvert. Euh, il ne fait pas encore euh, super chaud. Euh, sauf si vous êtes présentement en Andalousie. Euh, ce qui, euh, je pense, n'est le cas de, de personne dans le, dans le chat. Et, euh, et donc, euh, oui, ce soir, on va parler des étoiles. On va voyager euh, dans les étoiles. Enfin, dans les étoiles. On va partir assez loin euh, de la Terre pour mieux comprendre euh, où nous sommes. Ce soir, on fait de l'astronomie et ce soir, on est chez Cosmos, euh, la nouvelle appellation des formats astronomiques que je proposais déjà avant sur ma chaîne. Et ça s'appelle maintenant Cosmos parce que Cosmos, ça veut dire l'univers. Et ça comporte un point d'interrogation absolument indispensable pour euh, ajouter, euh, une fois qu'on a dit que le cosmos c'était l'univers, que le chaos aussi euh, c'est euh, l'univers et que, euh, il n'y a pas vraiment de cosmos sans chaos. Et peut-être que l'inverse est vrai aussi, mais, mais bon, voilà, euh, à voir. Donc, comme c'est le premier format astronomique que je vous propose, hein, un format bien sûr en mode éducation populaire, euh, eh bien, euh, c'est un, un format un petit peu voyageur, effectivement. On écoutait à l'instant, euh, là, le monsieur, là, qui est chez lui euh, ou dans son studio, euh, à, à faire du piano, là, qui nous a régalé euh, de ces petites notes euh, envoûtantes, là. Bruno Bavota, euh, il a composé ce morceau, c'est de lui et ça s'appelle Passengers, parce que euh, finalement, ça va un peu problématiser la soirée. Euh, nous sommes des passagères et passagers hein, dans, ces, dans cet univers, euh, dont euh, il est très intéressant de questionner le sens, le but, l'objectif, la visée, euh, l'histoire, l'histoire de l'univers, une histoire populaire de l'univers aussi, pourquoi pas. Et puis une histoire populaire surtout de, de C'est-Le euh, qui euh, euh, essaient de le découvrir, de l'explorer ou euh, malheureusement aussi de le conquérir, bien entendu. Parce que pourquoi on ne ferait pas euh, dans l'univers la même merde qu'on fait chez nous hein euh, Pourquoi pas Donc c'est ça le programme ce soir, euh, les gens et les gens. Euh, et euh, et bah écoutez, on va y aller sans plus attendre, non sans avoir proposer euh, un petit clin d'œil, il était dans le tweet je crois, euh, euh, ça, vous voyez c'est la casserole, vous la, vous la reconnaissez, alors, ah oui c'est là qu'il faut que j'utilise le, le truc magique de... Parce que là on ne voit qu'un bout de la casserole, donc euh, ça va pas vous aider trop, euh, hop. que je fasse pas trop de bêtises, mais si j'étends comme ça, ah non ça... Ah si, non, c'est parce qu'il faut que je fasse comme ça, en fait. Hop. Voilà. Là, je crois que normalement, vous la voyez à peu près en entier. Euh, voilà, je vais essayer de le caler aussi bien qu'un dragon. Ce truc, hop. Parce que sinon, euh, ça va pas le faire. Voilà, je vous le cale comme il faut en direct. Hein, sous vos yeux, euh, Zébaï, vous voyez apparaître cette casserole. La grande ours. Et eh oui les gens et les camarades la grande ourse elle est là dans le ciel même si macron le veut pas et c'est chouette non euh, ce dispositif sonore portatif euh, est là juste au-dessus de nos têtes et il veille sur nous et notre capacité à, à nous battre pour un monde plus juste n'est-ce pas voilà, <laughs> pas grave s'il si manque la droite. Ouais, bon. <laughs> euh, voilà, les gens, ça c'était le petit clin d'œil. Et puis maintenant, euh, je vous propose que sans plus tarder, on se mette un, un, un générique. Voilà, hein, c'est parti. Générique, cosmos. Hop. Et on se retrouve juste après. Et on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on embarque dans notre vaisseau spatial. Et hop, c'est parti. Euh, bientôt le décollage. Pour l'instant, générique. générique de début j'espère que ça vous plaît <laughs> aussi bon en son qu'en image ah bah oui là je n'ai pas été chercher trop trop loin une ref trop spéciale je me suis dit que c'était la musique qui s'imposait euh, un petit massive attack pour euh, pour se mettre bien euh, et pour s'envoler dans, dans les étoiles euh, c'est un format je l'ai pas dit avant le générique d'ailleurs mais qu'on va qu'on va essayer de de reproduire à peu près un vendredi sur deux, hein. ça, sera, euh, ça sera à peu près ça le rythme de, de Cosmos. Et puis on essaiera, euh, là c'est une première, mais euh, on essaiera de faire quelque chose de plus euh, collectif, de plus collégial aussi, hein, parce que MAP c'est collectif. Euh, et d'ailleurs, euh, pendant que j'y pense, MAP euh, a besoin de vous pour euh, suivre, pour celles-le qui sont sur Twitter. De, su, de suivre, besoin de, de, de vous pour suivre ce qui se passe, les actualités du projet sur Twitter, c'est important. Ouais. Euh, MAP est aussi sur YouTube avec déjà beaucoup, beaucoup de contenu de ce qu'on faisait euh, les unes et les autres euh, avant, euh, avant le lancement de la chaîne. Euh, que, quoi d'autre encore euh, Twitter, YouTube, Twitch, ouais, déjà. Et bientôt, peut-être d'autres outils encore. Bientôt, j'espère, mais ça, ça va venir euh, au fur et à mesure. Voilà. Donc, la, la thématique de ce soir, c'est euh, notre adresse dans l'univers. Je l'ai euh, intitulé aussi « Où erre la Terre ?» pour évoquer le fait que, eh bien, en fait, notre planète n'est pas au centre de l'univers, ni notre Soleil, ni notre euh, système solaire, notre Voie lactée, notre groupe local de, de galaxies, etc. On va voir tout ça euh, ensemble, Petit à petit, et, peu et petit à petit, comme ça, on va compléter notre adresse. Et comme ça, pour celles-là qui sont en France, par exemple, bah vous mettrez France, et puis après, vous pourrez mettre Terre, et puis après, vous pourrez mettre plein d'autres choses. On va compléter ensemble ce soir les lignes de notre adresse. Euh, et bien sûr, on va pas le faire juste de façon euh, administrative, en mode remplissage du CERFA, euh, je ne sais pas quoi, là. Euh, mais on va le faire avec de belles images, rassurez-vous. Euh, donc c'est ça le programme, les gens. Et puis, euh, et puis, et puis, euh, oui aussi j'avais prévu de vous faire quelques petits rappels, euh, vous dire que je vous ai parlé de cosmos et de chaos. Mais euh, pour moi, euh, citer l'un et l'autre, c'est évoquer une quête de l'équilibre, c'est évoquer euh, une quête d'un balancement, d'un dialogue et pourquoi pas de l'autre. Et c'est en ça que ces notions combinées euh, je les trouve intéressantes et, et qu'elles méritent exploration euh, sinon j'avais prévu de vous rappeler aussi que cosmos ça a bien sûr donné cosmonaute ça a bien sûr donné cosmogonie c'est-à-dire pour la faire courte euh, cosmogonie c'est euh, bah, comment on pense ou on imagine ou on croit euh, que l'univers a été créé que notre monde a été créé le monde au sens très très large hein. Euh, et euh, toutes euh, les religions, légendes, contes, récits euh, et recherches scientifiques qu'il y a euh, là-dessus, c'est passionnant. Et je vous proposerai très probablement quelque chose là-dessus euh, lors d'une prochaine soirée Cosmos. Et bien sûr, Cosmos, ça a aussi donné euh, cosmétique. C'est aussi des fleurs. Enfin, voilà. On reviendra surtout, pour être honnête, sur les deux premières euh, déclinaisons hein, cosmonaute, cosmogonie. On aura l'occasion d'en reparler. Donc cette balade dans l'univers, pour cette balade dans l'univers, on a un guide, on a un guide euh, en la personne d'un astrophysicien dont j'apprécie personnellement beaucoup euh, la démarche et que j'avais envie de vous présenter. C'est un astrophysicien américain. Euh, à titre personnel, je le considère, euh, vous dire, pour vous dire, plutôt comme un allié, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui euh, voilà qui ne qui utilise la science à la démarche scientifique euh, dans le sens de l'émancipation on peut le dire comme ça et aussi de l'éducation populaire et justement je vous ai proposé euh, je voulais vous proposer un premier extrait euh, vidéo je ne vais pas vous le mettre trop trop fort parce que je crois que sinon euh, ça va vous exploser les oreilles je vérifie aussi que c'est à peu près bien calé hop. Ah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je pense que là je peux retirer ça comme ça, voilà, parce que ce bout blanc là c'est pas terrible. Euh, mais ça va, ça va être bien là. Et puis après euh, ce soir ça devrait être tout bien calé normalement. On croise, euh, on croise les doigts, on croise les doigts. Euh, donc Neil deGrasse Tyson, je sais pas si vous le connaissez avant que je lance la vidéo, quand même un, un petit tour sur le chat. Comme je suis encore une fois, je suis pas chez moi, la technique est euh, une histoire d'univers, ouais. <laughs> Cosmo Energy Saint Seiya. Salut, Ludéric. Euh, le kiff de réminiscence. OK. Euh, j'ai pas tout compris. Ah, les Cosmo Cats. D'accord, OK. Bon, je reprends euh, vos propos euh, <laughs> les uns après les autres. Euh, OK, les Cosmo Cats. Eh bien, ça, je ne connaissais pas euh, les, euh, les Cosmo Cats. Il y a aussi la Cosmic Girl de From Another Galaxy de, euh, de Jamiroquai, si vous voulez. Ouais, c'est ça, je suis trop jeune. Je ne connais pas, du coup, les cosmo-cats. Les chats de l'espace, ça doit être euh, quelque chose. Bon, moi, j'étais sur Neil deGrasse Tyson. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, je vais vous écrire dans le chat comment euh, ça s'écrit, si vous voulez faire des recherches sur lui plus tard. Hop, Neil deGrasse Tyson, astrophysicien américain, qui doit beaucoup... Euh, vraiment beaucoup à un autre astrophysicien qui s'appelle Carl Sagan, euh, états-unien aussi euh, de son état, c'est le cas de le dire. Et, euh, et donc, euh, à sa suite, il a proposé euh, une euh, série euh, documentaire en deux saisons pour l'instant, qui s'appelle Cosmos, une odyssée à travers l'espace et le temps. Euh, et euh, et euh, il se trouve que Carl Sagan avait déjà eu la même démarche, je crois, dans les années 80. Ça s'appelait aussi Cosmos. Et c'est un peu en hommage à Carl Sagan, qui était un peu son mentor, que Neil deGrasse Tyson s'est lancé dans cette aventure. Et pourquoi il s'est lancé dans cette aventure Parce que euh, aujourd'hui, il est comme beaucoup d'entre nous préoccupé de ce que ben, euh, euh, les théories euh, et les surtout les élucubrations euh, anti-scientifiques euh, fleurissent euh, euh, du fait notamment de, euh, de technologies qui permettent à ces choses-là de se propager d'autant plus facilement. Euh, et euh, et euh, lui, pour lui, ça pose un problème qui est un problème d'ordre politique. Et, euh, et il laissait il a une, un, une approche et un discours tout à fait euh, politique par rapport à ça. Donc euh, voilà, c'est une vidéo, je préviens les non-anglophones, euh, qui sera en anglais. J'ai mis en place les sous-titres automatiques sur YouTube pour, euh, pour que vous ne soyez pas trop perdus pour celles qui peuvent lire à l'écran. Et pour les autres, euh, je vais régler le son à peu près correctement. Et euh, parce que là, l'essentiel, le, c'est pour, pour la plupart d'entre vous, ça va être, vous allez entendre le son de sa voix en version originale, on va dire, mais euh, euh, le plus important, c'est de comprendre le propos. Donc voilà, je vous propose qu'on fasse connaissance avec lui. Euh, voilà. Euh, mesdames et messieurs, camarades, camarades, les gens et les gens, euh, faisons connaissance avec euh, Neil deGrasse Tyson. C'est parti. The real problem in society is not whether Le vrai problème dans, dans la société n'est pas de savoir si nous enseignons suffisamment. Ah, C'est reparti. reparti et sans les sous-titres. Allez hop, faux départ, je mets les sous-titres. Pour celles-là qui ne savent pas comment on fait d'ailleurs, petit, euh, petit cours euh, au passage. Voilà, vous mettez traduire automatiquement, ça va vous proposer tout un tas de langues. Euh, alors on pourrait faire des blagues sur euh, d'autres longue, mais oula, ça n'a pas marché. <laughs> euh, euh, non, je, je ne sais même pas ce que c'est le ⁇ à Cannes uh, ⁇ Traduire automatiquement. Uh, la sélection n'est pas faite comme il faut sur français. Français, français, français. Parce que là, sinon, vous, a, vous allez rien comprendre. Hein. Pour celles qui pourront lire. Le vrai problème dans la société, ça n'est pas de savoir si nous enseignons suffisamment de science à nos enfants. Parce que, disons say we started that tomorrow. Does that that mean okay? demain. Est-ce que ça veut dire que tout if va bien? Si on enseigne à l'enfant enfants, better stem education, ans, une education if a better stem teacher, my going to wait 40 years for that Est-ce que je vais attendre 40, 40 ans que cet enfant devienne président? Nous membre du congrès afin qu'on ait maintenant no, un pays scientifiquement I'm alphabétisé. Non, je, je suis Pour moi, le vrai défi, le vrai problème, c'est les adultes scientifiquement mal sont en charge. Les sont charge. Ils sont au pouvoir. Il y a cinq fois qu'il y a dans les adultes disposent oh, de me, ressources, les adultes votent et, et diront oh, réparons les enfants », et bien réparons les, en, les adultes, alors les enfants iront be, bien. Point, Mon domaine astrophysique peut être à ce point le seul domaine académique do où ce que je fais n'est pas euh, compté contre at moi, worst, pas trop controversé. C'est juste, au pire, c'est juste neutre l'astrophysique. Après, il y a les platistes quand même. Le nombreux your time domaines scientifiques the lab, passe votre temps. To the public, vous auriez pu être dans on le laboratoire avec le public, participer des comedic, talk shows nocturnes, à parler de la physique et les euh, sous-titrages automatiques. Je vais faire des pauses. Hein. En gros, il dit plusieurs choses. Là, vous avez compris hein, une partie de son propos. C'est un, euh, il faut faire de l'éducation populaire euh, scientifique. Euh, pour euh, espérer euh, que derrière euh, cette éducation populaire scientifique, elle, elle, euh, elle permette au, au pouvoir, aux dirigeants, bah, de ne de, 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 de pas aller à l'encontre de, 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 des discours scientifiques comme c'est fait actuellement, euh, en particulier sur le climat, mais sur d'autres choses aussi. Euh, et puis, euh, s'il va dans les talk-shows et tout, c'est parce que les astrophysiciens, astrophysiciennes, euh, dans leur discipline, c'est pas trop controversé de le faire, si vous voulez. Dans sa discipline, ils peuvent encore faire ça. C'est pas considéré dans son dans son domaine, dans son groupe social, comme une espèce de violation de la sacro-sainte figure du scientifique qui doit forcément parler aux gens en blouse blanche depuis son laboratoire, si ce n'est euh, si ce n'est, euh, voilà, encore que ce soit pas trop jugé comme vulgaire d'oser s'adresser euh, aux gens, quoi. Voilà. Donc lui, il est de cette veine-là, il porte ce projet-là, et c'est notamment la raison pour laquelle il a euh, il a créé cette série documentaire qui s'appelle Cosmos, dont on va voir plusieurs extraits un peu plus tard. Voilà. Ça c'est une première partie de son, son propos. Je suis chercheur and as a associé dans notre département d'astrophysique au Musée américain d'histoire naturelle de New York. I'm also New York. Director of the je suis aussi directeur in that du planétarium Hayden. Is fully expected by everyone around Et à ce titre, that tout, tout le monde to s'attend à ce que je parle au public. Mais plus important, Carl Sagan, basically Carl Sagan did dont je parlais tout à l'heure, il a essentiellement fait ça en premier. Il y a exemple des exemples qui l'ont précédé. Well, mais il l'a fait de la manière la plus importante way. et la plus significative. And et il a that ouvert field. des possibles. Il n'a pas été accueilli pour ces activités. Hein. Qu'est-ce que vous allez Maybe faire dans les shows euh, américains, quoi, en fait, there's quand there's vous êtes un scientifique, scientifique. Ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, en fait. Donc il y a une pression culturelle scientifique, mais seraient prêts à budget et donc, la question, notamment, sur les choix spatiaux, mais, mais, mais pas seulement, c'est ça, quoi. C'est que fait-on euh, euh, Que va-t-on faire dans ces endroits euh, Et est-ce que ça vaut le coup d'aller parler à tout le monde Alors, bien entendu, après, il y a plein de sous-catégories de débats qu'on peut avoir là-dessus, évidemment. Euh, vous ne verrez pas euh, Neil deGrasse Tyson chez euh, Fox News. Euh, vous ne le verrez pas. Par contre, euh, on va voir un extrait de, de lui, de Neil deGrasse Tyson, pardon, euh, qui va s'exprimer dans un talk show et vous allez voir ce qu'il fait euh, pour euh, faire un peu de l'éducation populaire, si vous voulez, quoi. Euh, à propos, justement, du, euh, des platistes. Donc euh, voilà, on continue euh, pour l'instant euh, ce qu'il explique très sérieusement. Vous verrez l'extrait suivant, il est tout à fait sur un autre registre et c'est un exemple justement de ce qui se fait euh, euh, dans les talk shows américains euh, à partir de, de scientifiques qui, qui, voilà, qui ont cette démarche, qui ont la démarche de Neil deGrasse Tyson. Is that what you, my, you're my constituent, is that what you were telling me? Yeah! Oh my gosh, let's do it! And all of a sudden, the tide waters rose for science funding. Les membres du Congrès les méthodes et science et les fruits de leur découverte. Donc la thèse de Neil deGrasse Tyson, pour le coup, qui mériterait à être vérifiée, ce que je n'ai pas fait, euh, c'est euh, euh, quand Carl Sagan a commencé à faire ce travail-là à la télé, en tant qu'astrophysicien d'éducation populaire, euh, eh bien euh, ça a eu un, un impact réel sur euh, la politique des États-Unis d'exploration de, spatiale, de recherche et, et ça, a eu un, ça a eu un effet politique en fait, si vous voulez. Et donc euh, euh, c'est ce qui c'est ce qui défend euh, en tout cas dans cette séquence If you feel strongly philosophies, donc voilà, il défend euh, ensuite un autre élément. Il fait une autre proposition en tant que scientifique. Lui, euh, sa position, positionnement sur les philosophies religieuses, c'est j'ai rien à dire sur les philosophies religieuses. J'ai strictement rien à dire, sauf. Si vous, vous voulez changer le programme d'études dans une classe de sciences, si vous êtes platiste, si vous êtes créationniste, si vous êtes négationniste du climat, euh, voilà, du, enfin du changement climatique, euh, là, ça va poser un problème, bien évidemment. Bien évidemment. Et je vous demander... Je ne vais pas vous battre, je vous Pourquoi tradition des scientifiques knocking down the Sunday school door, telling the preacher what to teach. That has never happened. Atheists don't even do that. There's no scientists or atheists picketing outside of your church say, or synagogue or, or, or mosque. That might not necessarily be true. There is no such tradition. So what is the motivation to try to take a religious philosophy and influence what goes on in science? You can get up enough people to influence school boards. OK. Again, I'm an educator, so I'm here to tell you the consequence of that. If you substitute religious philosophy for science, be a generation of people who will not understand what science is. Um, alors, c'est important que je m'arrête là-dessus quand même euh, pour évoquer le fait que en tout cas, à mon avis, le contexte états-unien n'est pas le contexte français. Uh, uh, il uh, euh, se sent, euh, il sent la nécessité d'insister euh, là-dessus, sur les programmes scolaires et sur la place possible de la religion euh, dans les programmes scolaires, euh, parce qu'aux États-Unis, euh, il y a en particulier ce courant évangéliste qui... Euh, qui veut justement entrer dans les programmes scolaires, qui veut peser sur ce qui est écrit, ce qui est proposé dans ces programmes scolaires. Et donc, derrière ça, il y a un enjeu de compréhension de la méthode des démarches scientifiques. Bien entendu, qu'on pourrait extrapoler ça des sciences dures vers les sciences humaines. En fait, c'est le même combat, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Mais euh, voilà, on a presque fini le, le propos, euh, mais euh, euh, je, je le fais comme ça finalement plutôt que le traduire à l'oral au fur et à mesure. Ça me semble plus, euh, plus audible et, et plus agréable aussi pour vous, en tout cas j'espère. And they will be intellectually crippled from contributing to what the centuries have demonstrated to be the most efficient engine of economic growth that has ever been devised. Et c'est l'innovation en in science et technologie. Ouais, voilà quoi. Bon, les dernières phrases n'étaient pas les plus intéressantes. La croissance économique, blablabla. Bla, bla. Bon, vous savez ce qu'on en pense ici. <laughs> voilà. Euh, donc, bah, écoutez, euh, euh, voilà quoi. Euh, <laughs> voilà ce qu'il en est euh, de ce que propose. Euh, Neil deGrasse Tyson et de sa démarche, surtout. Moi, ce qui m'intéressait surtout euh, dans cet extrait, c'était de euh, vous exposer la démarche, ses fondements, euh, ce qui lui semble. Euh, oui, on est d'accord que la science comme approche, c'est cool. Adonio, en fait, toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, en fait. Mais on peut débattre, il hein, n'y a pas de souci. Euh, je serais intéressé d'avoir vos, vos arguments. On est là pour ça aussi. Hein. Sinon, euh, ce n'est pas la peine qu'on fasse tout ça sur Twitch. Hein. On peut euh, faire une vidéo YouTube et puis, euh, et puis euh, vous la regarder euh, quand vous voulez en, en replay, en fait. Hein. C'est euh, clair. C'est clair et net. Mais donc, il y a plusieurs choses à retenir. En hein, résumé de ce que Neil deGrasse Tyson propose et de sa démarche, c'est euh, bah, en fait, euh, euh, c'est un enjeu politique, la science. Euh, voilà. Euh, ah oui, la partie la partie croissance éco, oui, bien sûr. <laughs> euh, euh, donc voilà, la science c'est un enjeu politique et les sciences durent aussi. Euh, il faut euh, faire de l'éducation populaire, y compris dans certains talk-shows, euh, dans certaines limites. Hein. Alors il ne l'a pas précisé, mais euh, voilà, vous verrez. Et euh, et euh, c'est important de mener le combat euh, de la science auprès des adultes, mais aussi auprès des enfants. Il dit que c'est vachement important l'éducation des adultes parce que c'est eux qui sont euh, au pouvoir, c'est eux qui sont aux manettes maintenant. Euh, il, euh, il, évoque, euh, il fait des allusions euh, euh, à peine voilées hein, euh, à certains politiciens américains qui euh, ben, euh, tiennent des propos sur, euh, notamment sur l'astronomie, sur l'astrophysique qui sont assez délirants quoi voilà et pour autant il faut aussi mener le combat au niveau des sciences dures mais je peux vous dire aussi pour l'avoir entendu répondre à une autre interview qu'il le pense pour toutes les sciences il faut mener ce combat-là dans les programmes scolaires donc voilà à qui on a affaire <laughs> assez stellaire d'accord euh, voilà à qui on a affaire et je vais finir de vous le présenter avec une vidéo d'un autre style. Alors si ça se trouve, ça va être pareil, elle va se recharger. Euh, elle aussi et hop j'aurais pu les sous-titres. J'espère que non. On va voir euh, tout de suite. Donc là euh, c'est le format talk show et euh, vous allez voir euh, euh, ce qui ce qui propose. Peut-être que certaines, certains d'entre vous connaissent déjà cette vidéo euh, et l'ont euh, et non déjà vue quoi. Mais euh, bon si c'est le cas euh, ne spoilez pas hein, les gens. Ne, ne spoilez pas. Voilà c'est euh, Neil de Grace Tyson qui intervient dans un talk show et vous allez voir comment ça se passe. On, va dire, on peut dire hein, d'une certaine manière que ça se passe à l'américaine. Voilà. Si vous passez du temps sur Twitter ces dernières 48 heures, c'est une vidéo qui date d'il y a quelques années. Hein. Euh, voilà. C'est le rappeur BOB le rappeur hein, qui est sur Twitter. Il explose Twitter, il casse Twitter à l'époque. Et pourquoi Rapper B.O.B. Blowing up Twitter with his theories on the actual shape of the world. Rapper B.O.B., perhaps you know him for je, Moi, je connais pas, euh, for hits le like rappeur, airplanes B. B. and nothing B. B. on you. Ouais, je vais essayer de vous remettre les sous-titres en français, à nouveau. À moins que euh, vous me disiez euh, toutes et tous, euh, en fait, euh, tu peux les laisser en anglais, les sous-titres, si tu t'arrêtes pour nous expliquer au fur et à mesure, euh, te casse pas la tête avec les sous-titres en français. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit. Oula. Alors, peut-être que le rappeur B.O.B. il casse Internet, mais moi je, je casse Twitch. <laughs> Et je mets des sous-titres, je ne sais, sais même pas ce que c'est cette langue. C que, ah, c'est de l'albanais. Voilà, si quelqu'un avait reconnu. Allez, alors. Alors, alors. Français, ça va marcher cette fois ou pas Non, toujours pas. Voilà. Bon, donc des fois ça marche. Des fois vous cliquez sur Français et ça vous envoie sur. Vous voyez toutes les po possibilités de langue qu'il y a. Earth is flat. He is on a Twitter enfin, mission annoncer. to. Voilà. Je vais vous traduire au fur et à mesure. Je vous ferai des stops. Je vous arrête au fur et à mesure et je vous euh, et je vous commente. Donc là il est ou, ou alors je vous les mets au moins en anglais. Tiens, je vais faire ça en fait peut-être euh, ça sera euh, sous titre je vais vous mettre anglais, voilà. Au moins euh, ça sera un peu plus intelligible pour certaines, certains d'entre vous. Donc voilà le rappeur B.O.B. <laughs> il récupère toutes les toutes les théories qui passent, une vraie éponge. Euh, Badoum, Badoum euh, Donio. Euh, ça tiens, ça me donne une idée de commande. Il faut qu'on l'ait, celle-là, tout le monde l'a. Il faut qu'on l'ait. <laughs> Salut Kyo. Euh, bienvenue. prend place euh, autour du feu. Le feu de camp euh, qui, euh, qui est plutôt en mode braise, euh, bien rouge, pour pas qu'on ait les yeux trop aveuglés qu'on puisse euh, s'évader un peu euh, dans les étoiles. Pour l'instant, on est en train, euh, je suis en train de vous présenter euh, l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, son travail, sa démarche, des Duke pop à la télé. Voilà. Il pense que ça peut peser euh, ce qu'il fait et euh, vous allez voir euh, sous quelle forme euh, diverses il peut il peut le faire voilà donc bienvenue euh, aux nouvelles nouveaux arrivantes arrivants Donc euh, voilà le rappeur B.O.B., il est euh, dans une mission twitter pour prouver que la terre est plate on a été trompés tout ce temps. Mmh. You know guys, first time I heard nothing on you, I definitely thought, this BOB guy, Attention, he is the one to finally uh, take down des, that asshole Aristotle. Après, take him down. Ça, pas Seriously though, these tweets are amazing. The horizon is always eye level. Voilà, donc euh, un extrait de tweet qui propose euh, l'horizon est toujours au niveau des, des yeux. Euh, euh, Once you go flat, you never go back. Je ne sais même pas si c'est euh, traduisible, mais c'est euh, une bonne punch, punchline. Et puis, euh, where is the curve Bon, je vais vous passer l'extrait suivant parce que après, le, le, le présentateur fait euh, tu veux voir des courbes Bon, voilà. Donc, euh, en tout cas, il est assez, euh, euh, il est assez en colère le présentateur, et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc en tout cas, voilà. Donc il y a Neil deGrasse Tyson, ça a été tellement euh, partagé sur Twitter, BOB, euh, et vous connaissez un petit peu cet effet, euh, c est, c est, c est, ça fait partie de l'effet stressant en fait, je crois. Hein. Euh, le côté... Euh, euh, alors, non, pas du tout, euh, pas du tout, émission chrétienne sur ces News. Ici, c'est pas du tout l'ambiance euh, qui euh, au aucun, aucun risque à ce niveau-là, absolument aucun. Euh, donc, euh, je sais pas si c'est si pas ça aussi, l'effet de biobi et son tweet, il a été repartagé aussi en mode, euh, vous voyez, c'est comme euh, euh, comment il s'appelle, Gims. Euh, avec ses théories sur euh, les pyramides je sais pas quoi, euh, connectées à la 5G, ben, euh, c'est partagé aussi avec un, un peu de condescendance et de mépris de classe. Hein. Il est trop con ce rappeur, vraiment, de, 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 de croire que la Terre est plate. Euh, c'est partagé, mais ça, ça fait euh, une fois platiste, on n'est pas triste. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, Donio, c'est pas mal. Euh... Donc euh, voilà, si vous voulez, euh, c'est partagé aussi pour ces raisons-là. On va pas se mentir, c'est pas partagé seulement. Enfin, vous-même vous savez quoi. Euh, c'est pas partagé seulement parce que ah euh, oh là là, mais il, est, il a raison, Biobi, euh, euh, Ces questions sont pertinentes. Voilà, c'est partagé beaucoup pour se foutre de sa gueule, mais derrière, ben qu'est-ce que ça fait C'est que bah ben, ça crée une espèce de de, 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 de voilà il n'y a pas de bad buzz quoi et donc Neil de Grace Tyson Louise le choix qu'il fait c'est pas de l'ignorer du coup et euh, euh, c'est plutôt euh, c'est de lui répondre quoi il l'ignore pas il préfère lui répondre à euh, et on va voir ce que ce que ça donne ensemble quoi je pouvais tout remplacer par où est l'homme, notre adresse dans la métaphysique chrétienne Eh bien, très intéressante question, qui Kyo, très intéressante approche. C'est une des raisons pour lesquelles je fais euh, Je vous propose Cosmos, et je suis très heureux de le, protéger, de le, de le proposer. Euh, sur MAP d'ailleurs, je le dis en passant, je voudrais vraiment remercier du fond du cœur Andrea et Philippe euh, d'avoir accepté que je propose ça euh, sur MAP maintenant parce que justement euh, pour moi faire de l'astronomie, regarder les étoiles c'est se décentrer, c'est décentrer euh, la place de l'homme. L'univers de l'homme avec un grand H, mais de l'homme avec un petit H aussi, hein, parce que il euh, y a une espèce de continuum hein, entre le patriarcat et la façon dont euh, les porteurs de gonades mâles se voient, euh, les porteurs de gonades mâles et qui se, se considèrent euh, faisant partie de ce système patriarcal, voilà pour le dire comme ça, euh, se considèrent par rapport à leur place dans l'univers. En général, c'est les mêmes, voilà. Donc euh, c'est un, un, un peu ça euh, l'idée quoi. Voilà. Euh, Kiyo, Je me permets euh, ton, ta proposition euh, pour commenter un peu euh, tout ça pour celles ceux qui n'avaient pas encore vu euh, ce que je pouvais proposer sur l'astronomie jusqu'à présent, on est clairement là-dessus. Bref, on revient avec euh, notre bad buzz là du, du rappeur B.O.B. qui dit euh, euh, «La Terre est plate. Euh, et neil degrasse tyson qui entre dans le game et qui lui dit euh, pourquoi elle n'est pas plate et vous allez voir ça dégénère. Il be to release a disc track called flatline here's the taste neil tyson need to loosen up his vest they probably write their man one hell of a check flatline flatline you got me once but that died aye hey. oh. oh shit. Oh, shit. Eh, hey, c'est pas si mauvais, moi je trouve, franchement. Vous écoutez pas les paroles, vous dites, oh le flow est présent, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens qui sont plus dans le hip-hop que moi, là, je crois. Euh, voilà, j'ai cru en voir qu'il y, qu y avait des niveaux d'expertise que j'ai pas euh, sur euh, les, les lives qui ont parlé de hip-hop récemment sur la chaîne. Là. Donc, je ne sais pas. Moi, perso. Euh... <laughs> Euh, moi perso, j'ai trouvé ça pas mal, juste musicalement. Alors, donc, et il cite, du coup, euh, il cite Neil deGrasse Tyson, quoi. This shit just got real, y'all! Uh oh! I'm gonna tell you, looks like we've got ourselves. A code red science emergency voilà, so rouge. I'm gonna have to do something I rarely do I gotta hit the science panic button Science emergency defense program initiated Science emergency defense program initiated oh my God. Science emergency defense program initiated oh my God. Donc ça c'est le, le show à l'américaine euh, le gars apparaît en train de bouffer son sandwich genre c'était pas du tout préparé quoi voilà <laughs> J'espère que ça vous a surpris. Euh, J'espère que vous avez fait Waouh incroyable, mais il était vraiment là derrière la porte juste à ce moment là. J'espère que vous êtes surpris. Hein. Hey, I'm trying to eat my dinner. I got your distress call. Is everything okay? No, Neil, everything is not okay. Non, this B.O.B. BS about the Earth being flat is getting out of control. Can you please help us? All right, ho hold my sandwich. Oh, sure. Okay, sorry. <laughs> <sure. Okay, laughs> okay. okay. Here, you take that. Here, here. He oh. Went, oh. Oh. Oh, yeah. Okay. This is America. Oh. All right, listen, B.O.B., once and for all. The Earth looks flat. Écoute-moi, B.O.B., une bonne fois pour toutes. la terre elle a l'air plate parce que premier argument parce que t'es pas assez loin à ta taille deuxième ta taille est pas assez grande comparément à la terre pour remarquer la moindre courbe de la planète. It's a fundamental fact of calculus and non large flat Voilà, donc c'est un, un fait élémentaire que euh, la courbure de la Terre elle aura toujours l'air plate la moindre courbe aura toujours l'air plate par rapport aux minuscules euh, microbes qui euh, rampent dessus quoi. Biobiplatiste, ouais, apparemment. Alors peut-être qu'il en est revenu, hein. Je sais pas. So this whole thing it's just a symptom of a larger problem. There's a growing anti-intellectual strain in this country. That many that it may be the same. Beginning of the end of our informed democracy. Of course, in a free society. You can and should think whatever you want. Dans une penser ce que tu veux, en fait. And if you want to think the world is flat, go right ahead. But if you think the world is flat and you have influence over influence others, as would successful rappers or even oh presidential candidates, les candidats à la présidentielle. <laughs> And being wrong avoir tort becomes being harmful to the health the wealth and the security of our pour euh, la, santé, la richesse la sécurité de euh, de nos, de nos concitoyens. Citizenry. discovery and exploration got us out of the caves la découverte et l'exploration ça nous a sortis des cavernes and each generation benefits, each generation benefits from what previous generations have learned isaac newton my man said « If I have seen farther than others, it's by standing on the shoulders of giants. » Ça c'est, euh, je ne sais pas si vous la connaissiez, celle-là de Isaac Newton. Euh, et c est, c est, alors pour le coup, c'est vraiment le genre de citation qui me parle carrément, y compris pour les sciences humaines. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette citation. Voilà, Moi, si j'ai appris quelque chose, et si j'ai apporté quelque chose de nouveau, c'est euh, en étant juché sur les épaules des géants. Voilà. Comment, en fait, on a un héritage scientifique et une mémoire de cet héritage scientifique Et pour moi, c'est la même chose pour les mémoires des luttes, qui fait qu'en fait, on ne repart pas de zéro. Et il euh, et, euh, y, a, y a des construits, il y a des conquis qui sont, euh, qui sont euh, euh, énormes à l'échelle de notre petite vie, de nos petites entreprises et nous tout ce qu'on peut faire c'est apporter une pierre supplémentaire en fait et ça apporte l'humilité nécessaire par rapport à à, à ce temps non de la construction scientifique et encore une fois euh, ça vaut pour tout pour toutes les sciences en fait <rires> 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 So that's right Biobeak when you stand on the shoulders of those who came before you might just see far enough to realize The Earth isn't flat. Donc si jamais tu t'étais juché sur l'épaule de Géant, et eh ben euh, là tu pourrais constater que euh, euh, la Terre n'est pas pétain de plate. And by the way, this is called Gravity! Oh et voilà! <laughs> Voilà, c'était Neil deGrasse Tyson dans ses œuvres d'éducation populaire à la télé, dans les euh, dans les shows, euh, voilà, là c'est Comédie Centrale je pense que vous, certaines, certains d'entre vous connaissez, euh, avez déjà vu certainement des vidéos euh, euh, de, ce, de, de cette chaîne c'est une des voilà, ça punchline sa baseline, ça voilà, ça, ça surline ça, ça, ça line tout ce que vous voulez là, mais euh, voilà, c'est un astrophysicien et il vient faire ça, euh, bon euh, on sait euh, parmi nos astrophysiciens les plus invités aujourd'hui, vous avez Hubert euh, euh, Reeves euh, qui, euh, qui est invité plutôt en mode euh, Papier Reeves, raconte-nous l'histoire de l'univers ou Aurélien Barrault. En mode, euh, ah, il est bien gentil ce bitnik aux cheveux longs qui nous parle d'écologie euh, en faisant de la poésie, là, c'est cool. Mais euh, mais euh, bah moi, je continue à bien aimer euh, Zippo Hubert euh, Reeves personnellement. Je... Mais c'est parce que, euh, euh, assez petit, j'ai vu ses émissions, euh, ses, euh, ses interventions. Euh, voilà quoi, franchement. Euh, il a été un sacré, lui, en France, pour le coup, Hubert Reeves, il a été un sacré relais et une sacrée diffusion de, de, du, du minimum de, de culture scientifique citoyenne autour de l'astronomie, quoi, en fait. Quoi. Voilà. Et oui, 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 sur les épaules de Darwin, ça vient de là, euh, en fait, Andrea, tout à fait. Même si, perso. Euh euh, Jean-Claude Amécen, là, euh, au bout d'un moment, il faisait quand même un peu toujours la même chose. Voilà, entendre parler euh, euh, d'abeilles euh, avec une voix super grave euh, sur fond d'électro <laughs> tous les samedis matins. Jean-Claude Amécen, ouais. C'est pas ça que j'ai dit. Bon, Jean-Claude Amécen, c'était lui que je voulais dire en tout cas. <laughs> Et en tout cas, ça, ça continue plus. Non, maintenant, il y a un gars qui fait de la mythologie le samedi matin. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté une île de Grace Tyson Et, euh, et vous vous dites, s'il est 22h52, ça fait près d'une heure qu'on a démarré. Et on est toujours coincé sur Terre. Là. Mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que t'en dis, quoi QCQTD, ce soir, il est un peu lent au décollage. Bah écoutez, euh, voilà, on, il faut s'inscrire dans le temps long de la découverte spatiale. Et pas faire comme Elon Musk, euh, envoyer tout de suite... Euh, euh, aller tout de suite dans l'espace. L'espace, c'est aussi la, la patience. Hein, L'univers, c'est aussi la patience. Donc allez on attache sa ceinture et, euh, et je vous propose maintenant, à partir du travail justement de Nick de Tyson, Cosmos, Saison 1, Épisode 1, Cosmos, Une Odyssée à travers l'espace et le temps. Je ne sais pas si certaines, certains ont vu euh, cette série ou en ont vu au moins des extraits, euh, mais euh, une des choses pour moi les plus réussies, c'est... Euh, dans cette série, l'épisode 1 justement, et comment il nous apprend à nous décentrer totalement et à montrer euh, euh, ce silence éternel des espaces infinis, hein, comme dirait l'autre. Euh, donc, euh, donc voilà quoi. Euh, et ben écoute, euh, je sais pas, Kyo, euh, peut-être que tu peux t'abonner et ensuite te désabonner pour protester. Euh, voilà. Est-ce que je suis pour le voyage dans l'espace Ah oui, n'hésitez pas à me poser ce genre de questions, hein, ça... Ça ne me dérange pas du tout euh, d'y répondre. Est-ce que je suis pour le voyage dans l'espace euh, bah, Ça dépend comment. Justement, euh, tout à l'heure, et euh, je vous proposerai, je pense, une soirée euh, spécialement là-dessus, euh, tout à l'heure, j'évoquais la découverte, l'exploration et la conquête. Donc, je suis euh, contre euh, toute forme de voyage dans l'espace qui viserait à reproduire la merde qu'on a faite sur notre planète, déjà. Donc, euh, euh, si c'est pour faire de l'extractivisme, si c'est pour euh, euh, prendre des bouts de rocher et planter son drapeau dessus, euh, voilà, ça ne, ça ne m'intéresse absolument pas. Et euh, coucou, euh, Pam Koy. Alors, il paraît qu'il faut appeler PA. Euh, donc, euh, voilà. Le principe du voyage en l'espace, bah non, je suis pas contre euh, maintenant. Euh, vous, justement, je vous conseille euh, comme autre astrophysicien français, lui aussi, euh, qui est un bon, euh, on dit, euh, vulgarisateur dans ce domaine-là. J'aime pas trop ce terme-là, je préfère. Vous l'aurez compris, éducation populaire. Mais Roland Lehoucq, Roland Lehouc, justement, il, euh, il, dans les propositions qu'il fait justement sur euh, le voyage spatial, euh, c'est d'avoir une règle verte spéciale voyage spatial. C'est-à-dire que l'énergie et la matière qu'on emploie à, pour l'envoyer dans l'espace chaque année, eh ben, elle ne doit pas dépasser euh, un certain euh, pourcentage euh, d'utilisation par rapport à tout ce qu'on utilise sur Terre. Alors lui, il met une limite assez haute, hein. il met la limite à 1%, mais admettons qu'on prenne ce 1% intégralement sur les riches, on va dire qu'on est d'accord, non hein Voilà. <laughs> et mais pas pour faire ce qu'ils font, quoi. Voilà. Euh, le problème des, des, des riches qui vont dans l'espace, c'est qu'ils font de la merde comme ils en font sur Terre, en fait. Donc, c'est ça le truc, quoi. Euh, et oui, on, euh, y a un, y a un, je connais un certain nombre de personnes qui, sont, qui, sont, qui sont nombreuses, nombreux à rêver d'aller dans l'espace et que, euh, justement, des, des séries euh, uchroniques ou euh, d'anticipation, donc Uchronique, For All Mankind, dont on reparlera, et The Expanse aussi, euh, bah, c'est des séries qui, euh, qui nous transportent aussi dans tous les sens du terme parce que qu'elles euh, euh, montrent comment euh, l'exploration spatiale et aussi malheureusement la conquête spatiale pourrait évoluer dans les prochaines décennies. Euh, voilà, Elon Musk, euh, on lui fait un certain nombre de choses. Personnellement, je n'aurais pas utilisé ce verbe quio mais, mais j'ai bien compris ce que tu voulais dire, t'inquiète pas, c'est juste que je chipote. Voilà. <laughs> on a le droit de critiquer Jeff alors qu'on mange dans sa main, tout à fait. Euh, voilà, on est juché sur les épaules des géants et euh, comme ça, on est plus près de leur gueule pour leur cracher dessus. Voilà <laughs> comment ça se passe. Euh, donc voilà, c'est bientôt la fin de la chaîne MAP, je vous annonce. Non, je pense que Jeff, il n'en a un peu euh, rien à carrer de notre existence pour l'instant. Mais justement, on va grossir, grossir et puis à la fin. Euh à la fin, il va en avoir quelque chose à faire, peut-être, on ne sait jamais. Il hein faut avoir de l'ambition dans la vie. Donc voilà, pour avoir répondu à ta question, euh, en tout cas. Euh... Eh ben, écoutez, on y va, ça y est. Hein, parce que moi, j'étais parti, j'étais prêt, j'étais en mode attacher vos ceintures, voilà, les réacteurs de la fusée étaient en train de s'allumer et tout. quand à rebours était lancé, quand soudain, pof, une question, quelqu'un a levé euh, la main et a dit j'ai envie de faire pipi, et voilà, on a pris du retard. Alors on y va, on y va dans l'espace euh, extrait de la série Cosmos, épisode 1, saison 1. Euh, et donc ce que vous voyez à l'image là, euh, bien sûr c'est la planète Terre et c'est marqué dessus, hein, c'est comme le pour-salut, comme on dit. Euh, mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est ça, vous, vous distinguez cette forme là. Et donc dans la partie éducation populaire, c'est les États-Unis. Hein. Neil deGrasse Tyson, il s'est dit bon, faut qu'il y ait un truc un peu qui claque. Euh, je vais faire comme si je me baladais dans l'univers dans un vaisseau qui est un vaisseau spatio-temporel, c'est-à-dire que quand dans ce vaisseau, imaginons, on est dedans, on regarde devant soi, on voit l'univers tel qu'il est aujourd'hui, et ce vaisseau se déplace tellement rapidement qu'on peut se balader partout dans l'univers. Il a aussi la capacité, son vaisseau c'est vraiment un vaisseau magique. Hein. Euh, euh, il a la, la, la capacité de grandir et surtout de rétrécir énormément pour euh, aller explorer y compris euh, les échelles quantiques de, de l'univers. Et, et quand vous regardez vers le bas, vous regardez euh, l'univers et son histoire. Euh, dans le passé, quoi, en fait. Et donc, euh, d'où euh, la capacité de ce vaisseau euh, incroyable à voyager dans l'espace et le temps. Écoutez, j'ai cherché en vain sur le bon coin. Euh, euh, S'il si, était en vente, mais, euh, mais non, euh, désolé pour ça. Euh, pas moyen de l'acheter, euh, pas moyen de l'acheter là comme ça. C'est pas encore entré en, en production de masse, ce vaisseau, mais ça a l'air quand même bien pratique. Hein. Voilà. Euh, L'histoire ne dit pas si euh, la machine à café fait du bon café à l'intérieur, mais il euh, y a l'air d'avoir plein d'autres trucs sympas. Quoi. Bon, allez, <laughs> euh, on y va cette fois-ci pour de bon. Ça reprend. Faut départ Ah ah. Ah mais ça s'arrête là. <laughs> Et donc, euh, bon allez, je vais vous raconter un peu son histoire euh, comme moi je l'ai euh, je, je retenue. Euh, il s'agit euh, d'un monsieur qui s'appelle Giordano, qui s'appelait Giordano Bruno. Voilà. Giordano, ça s'écrit, je crois, G-I-O-R-D-A-N-O, Bruno, comme le prénom. Et c'était euh, une espèce de, comment le décrire, une espèce de prédicateur qui écrivait euh, et qui, euh, qui essayait de, de proposer, voilà, euh, sa vision à lui euh, de monde infini euh, dont euh, la planète Terre n'était qu'une parmi euh, des, euh, des, des nombres infinis, quoi. Et... Euh, cette vision-là, rétrospectivement, a été euh, euh, d'autant plus euh, euh, retenue, on va dire, dans l'histoire, que euh, c'est devenu une espèce de symbole de euh, l'intolérance à euh, des idées euh, nouvelles. Euh, non pas que la science avait contredite, hein, euh, c'est absolument pas le, la, la même chose, vous avez bien compris, mais plutôt euh, que... Euh, bah que, euh, qui ne faisait pas l'objet, du, du coup, d'un consensus euh, scientifique, comme on dit, quoi. Oui, un, un peu un biais... Euh, alors, je ne sais pas, Essoural, si on dirait un biais monothéiste, mais euh, un, un biais clérical, moi, je dirais plus ça comme ça. Euh, donc, euh, euh, en tout cas, euh, l'Église chrétienne, la haute hiérarchie de l'Église chrétienne s'est montrée... Euh, dans une époque où il euh, y avait contestation de beaucoup de dogmes, hein. c'était une époque de euh, guerre de religion, réforme, contre-réforme, dans la chrétienté en tout cas. Hein. Ça, c'est voilà, un propos euh, christiano-centré, hein, soyons clairs. Euh, et donc, euh, euh, ce monsieur a été euh, un peu érigé en symbole d'une euh, euh, hérésie qu'il euh, fallait combattre parce qu'elle remettait en cause le narratif de la centralité de l'homme dans l'histoire et dans le justement de le, dans le dessin humain euh, visant à accomplir euh, à, enfin en, en tant que animal euh, supposé fait pour accomplir la volonté d'un dieu quoi voilà pour le dire euh, comme ça j'espère que je prends euh, toutes les précautions euh, nécessaires pour euh, euh, qu'on soit dans un dialogue le plus ouvert possible en fonction de ce que vous euh, vous pensez, connaissez, croyez, etc. etc. Voilà pour, euh, pour Giordano Bruno. Donc euh, voilà, ça a mal fini son histoire, encore plus mal fini que, que pour Galilée, hein, en fait. Hein. Euh, donc euh, je vous conseille de toute façon de suivre euh, cet, cet, euh, cet épisode de Cosmos en particulier. Mais l'ensemble de la saison 1, au moins, est, est passionnante. La saison 2, elle est plus spécifique puisqu'il s'agit de partir de, de la question de Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre pour évoquer exoplanètes, pour évoquer justement les développements et les fragilités de la vie sur Terre. C'est plus spécifique. La première saison de Cosmos, vous allez vraiment... Euh, Bon, si euh, ça vous saoule les, les, les musiques trop, euh, trop symphoniques, épiques, là, euh, euh, vous pouvez éventuellement, euh, je sais pas, diminuer le son, je sais pas. Mais bon, moi, j'arrive à supporter à peu près ce truc-là parce que j'ai assez euh, bouffé de Space Opera pour me dire, ouais, allez, bon, c'est quand même chouette. Euh, et à me laisser bercer par la voix grave de Nil de Tyson. Mais quand même, euh, voilà, ça, ça vaut vraiment le coup toute la première saison. Euh, je ne sais pas si elle est disponible sur quelle plateforme elle est disponible en ce moment mais euh, en tout cas je vous la conseille ça c'est certain. voilà. Donc on la connaît maintenant notre adresse euh, dans l'univers. j'espère que, que vous l'avez bien noté, hein, euh, je vais pas vous la faire euh, répéter euh, mais euh, éventuellement euh, de toute façon le replay sera disponible bientôt j'imagine. Euh, et, et voilà quoi, les gens. On s'est baladé dans l'univers. On s'est vraiment baladé dans, dans, dans tout l'univers, enfin dans tout l'univers. On a suffi, on s'est suffisamment éloigné de nous. C'est pas mal de le dire comme ça. On s'est suffisamment éloigné de nous pour euh, connaître euh, à peu près euh, notre place dans l'univers, notre euh, bonne place en fait, euh, celle de l'insignifiance et euh, du coup de tout le possible que ça ouvre pour nous à partir de cette insignifiance de construire quelque chose par nous-mêmes en fait finalement. Euh, et pour moi, moi, enfin moi personnellement, je vais le dire comme ça, je n'ai pas envie d'imposer un narratif à qui que ce soit, euh, c'est comme ça que je le vis, comme ça que je le conçois, comme ça que ça me plaît euh, de naviguer à l'intérieur. Comme un passager, comme le jouait Bruno Bavota en introduction de notre soirée. J'espère que ça vous a plu, ce grand voyage, ce grand petit voyage, et que vous avez appris des trucs. Moi, j'ai continué à en apprendre aussi, parce que bah, souvent, vous avez des interventions dans le chat qui sont réellement passionnantes. Euh, et, et voilà quoi, il y en aura d'autres, des cosmos, si ça vous plaît. On en fera d'autres sur cette chaîne. J'espère euh, que tout tes mondes intérieur se portent à peu près bien, Zippo. Bah, je te le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite à toutes et tous. Euh, voilà, il euh, y aura, si ça vous a plu, d'autres cosmos. On évoquera un peu de, de cosmos et de culture pop, de cosmos et de politique, mais on continuera à faire, à essayer de proposer de l'astronomie euh, en mode éducation populaire. Euh, et, euh, et voilà quoi euh, alors euh, après donc euh, concernant les prochaines aventures de notre euh, fantastique collectif map qu'on retrouve encore une fois en plus de retrouver sur Twitch là j'espère que tout le monde a bien follow pour celles qui follow et pas encore euh, on ne retrouvera pas pour des mags ce week-end en principe, je ne crois pas que ce soit prévu euh, je ne crois pas non plus qu'il y a un pop mardi. Andreas, si c'est toujours là, si t'es toujours là ou s'il y en a d'autres qui sont, qui sont là. Toi, t'es carrément chaud, Pamkoy. Bah, eh c'est cool. <laughs> euh... C'est tout nous, ça, passionnant. Oui, tout à fait. Et modeste, passionnant et modeste. Prochain peuple, le 9 mai, ouais. Relâche mardi et euh, bah, mercredi, si tout va bien. Moi, je vous proposerai un nouveau tempo, c'est-à-dire qu'on parlera cette fois euh, histoire populaire. Et, euh, et donc, euh, euh, je vous proposerai euh, concernant euh, ce format histoire populaire euh, qu'on euh, explore autre chose pour le coup. Euh, mais dans d'autres dimensions, c'est tout aussi passionnant. En tout cas, j'espère que vous trouverez ça passionnant. C'est les, les expériences croisées d'un certain Robert Linhart, militant maoïste de son état, euh, ou plutôt même devrais-je dire de son établi. Euh, donc justement auteur d'un bouquin euh, euh, autobiographique, l'établi, où il raconte son expérience à l'usine de euh, Militant, étudiant, bourgeois, maoïste qui veut se mêler au peuple pour euh, l'aider à faire la révolution. Et comment ça se passe euh, Voilà. Euh, et euh, on fera dialoguer son expérience avec celle de Simone Veil, l'autre, celle qui commence par un W. Euh, euh, et euh, j'irai cliquer sur ton lien après euh, détecteur de rumeurs. J'irai cliquer sur ton lien après Andréa, j'irai voir. Histoire du peuple, histoire analysée par le peuple. Ouais, l'histoire euh, vue par les dominés. Ouais, c'est comme ça que euh, j'essaie de la définir, que je propose de la définir et Soural et euh, et c'est une définition, je sais pas si Clem Lelut est encore dans les parages mais euh, il aime bien que je ne passe pas un live sans citer ce monsieur Howard Zinn. Euh, donc voilà, je l'attire de lui, cette définition de l'histoire populaire, l'histoire vue par les dominés. Et donc là, on évoquera ces expériences ouvrières euh, de, de personnes qui se voulaient allier de la classe ouvrière. Donc d'une part Robert Linhart et d'autre part Simone Veil. L'autre, celle dont le nom de famille commence par un W, qui était philosophe et euh, qui a eu à la fois une approche... Dans sa vie, une approche philosophique très matérialiste et très métaphysique, surtout sur la fin de sa vie. Elle a un destin très particulier, cette dame, que peut-être vous découvrirez à l'occasion. Et voilà, comme j'ai été voir récemment au cinéma un film qui est vraiment excellent, que je vous conseille, qui s'appelle « L'établi aussi », qui est tiré de l'expérience de Robert Linhart, je me suis dit qu'on pourrait faire un live là-dessus et parler histoire populaire là-dessus, qu'il y aurait cette actualité-là. Donc euh, j'espère que ça vous intéressera, que ça vous plaira euh, autant que ça m'a plu de préparer ça euh, pour vous quoi. Voilà. Il euh, y a eu pas mal de trucs sur elle à un moment sur France Inter, ouais sans doute, sur France Culture aussi très probablement. Euh, voilà quoi les gens, euh, les jantes, euh, les prochaines aventures de Map euh, c'est ça. Après on se retrouvera le week-end suivant probablement pour euh, pour euh, du, euh, pour du MAG, pour du format euh, MAG, le samedi matin, le dimanche matin, on verra qu'il y aura euh, dans le tour de table euh, d'Andréa, de Philippe et de moi. On n'en a pas encore euh, discuté entre nous, mais euh, c'est de l'ordre du possible. Et c'est sur ces paroles que je vais vous proposer qu'on se quitte, non sans peut-être avoir raidé quelqu'un, hein, euh, puisque... Euh, Apparemment, je peux, euh, je peux quand même euh, raider quelqu'un. Euh, 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 ça a l'air d'être de l'ordre du, euh, du jouable de faire ça. Euh, paf, paf, pouf. J'espère que ça vous a plu. Tandis que je prépare mon raid, je vous annonce que, évidemment, ce serait mal me connaître que de penser euh, euh, que, euh, on va se quitter sans musique. On va bien entendu. Se quitter avec de la musique. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez Anouar Brahem, mais je me disais que c'était très bien pour se quitter euh, en douceur et, et atterrir tel des plumes euh, sur notre sol terrestre après ce grand voyage. Je me dis que ça peut être euh, assez intéressant. Euh, qui on raide, les gens, là Qui vous voulez qu'on raide, en fait ça vous dirait qu'on raid euh, vous avez une idée là comme ça ou pas ah non je peux pas en fait je peux pas lancer le raid pendant que on est en live si je me trompe pas <laughs> euh, ou alors d'Ognio ou d'autres si vous voulez me rappeler comment on fait pour lancer le raid depuis le chat directement. Ça sera peut-être plus simple pour moi. Donc, euh, je veux bien que vous me disiez. Pendant ce temps, je vous prépare à Noir Brahem. Euh, voilà. J'ai pensé à Noir Brahem en préparant cette émission. Je me suis dit, oh, ça finira bien. Ça finira bien le truc, quoi. Voilà. Euh, bah, ça se lance en raid, mais il faut avoir le. le comment dire Il faut avoir les outils pour. Bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis. Euh, ah oui, raid pseudo, je vais essayer ça. Et par contre, j'ai pas vu, du coup, en faisant mes manips, j'ai pas vu qui vous proposiez qu'on raid. Euh, vous proposez... Euh, vous proposez euh, qui Salut Octogame euh, Vous avez proposé qui, en fait Quelqu'un qui parle d'hygrométrie Tu arrives vraiment sur la fin, euh, Octogame. Je vois, moi, je vois qu'il y a des entre-deux. Euh, Bamwen Pan, je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Tous terrestres. Ah, ok, d'accord. Eh ben on peut faire ça, ouais, tout à fait. Je vais lancer la musique et puis on va raider tranquillement tous terrestres euh, vers la fin de la musique, que vous puissiez quand même en entendre avant de partir chez tous terrestres et de leur faire un petit coucou. Tous terrestres avec... C'est écrit comme ça, j'imagine. Ah, t'es là depuis longtemps. Ah bah écoute, tu sortais de, 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 de sort ton heure, ok, d'accord. Euh, bah, merci d'être passé, en tout cas, c'est cool. Merci tout le monde d'être passé, d'ailleurs. Merci pour euh, votre soutien. Merci euh, pour vos interventions dans le chat. C'est vraiment toujours un plaisir aussi pour ça de vous proposer ce qu'on vous propose chez Map. Donc euh, voilà, je vous lance du noir Brahem, et, euh, et on va partir chez tous terrestres euh, euh, tranquillement. nuit à tous, à bientôt.